Le 12 janvier 2010, Haïti est frappé par un violent séisme qui a fait plus de 170 000 victimes. La catastrophe a touché 3 millions de personnes et détruit la moitié de la capitale, Port-au-Prince, ainsi que les villes environnantes. Oui, nous, c'est Haïtien, nous avons force, nous avons courage. Puisque c'est nous, c'est-à-dire nous pas unis, nous, pendant nous, sous petit plaisir. Grâce aux particuliers et aux partenaires d'AD Action, des aliments, de l'eau et des médicaments ont pu être transportés en direction de Port-au-Prince. Une chaîne de bénévoles, de salariés et d'écoliers s'est constituée afin de remplir des camions, dont certains étaient prêtés par Orange. De même, en Guadeloupe, des parrains et marraines d'aide à action ont rempli un conteneur de produits de première nécessité. Celui-ci, parti de Nord-Basse-Terre, est arrivé en République dominicaine le 25 janvier. Depuis le tremblement de terre, Aide Action a commencé la reconstruction en se mobilisant notamment avec le ministère dominicain de l'Éducation nationale. L'association aménagera un espace dans la région de Port-au-Prince pour accueillir plus de 1000 enfants. Cet espace, dénommé Nabvancé, qui veut dire nouveau départ en haïtien, permettra aux enfants de retrouver un cadre de vie normal. Et le tout, bien sûr, main en main, main dans la main, avec les haïtiens. Aidons-les à se reconstruire. Avec des actions. Merci beaucoup.